C'est ce qu'on appelle une araignée à grande vitesse. Ça va à tous, bonne aujourd'hui sur Spider-Man 2 pour la suite de notre incroyable aventure. Sur ce jeu qui est vraiment exceptionnel, vraiment je tiens à le dire, on a eu une première partie qui était bonne, mais alors là, la seconde partie depuis qu'on a récupéré le costume symbiotique, honnêtement, on en prend plein les yeux, la mise en scène est folle. On retourne à la maison, on a besoin d'un bon gros repos parce que Peter, avec ce costume, il est capoute. Ah, c'est l'article dont je te parlais. J'aimerais avoir ton avis. Ça a l'air génial, MJ. J'ai trop hâte de lire. Attends. T'as toujours le costume. Connors devait pas t'aider à le retirer. Et Harry, alors? Désolé. On peut en reparler demain. Combattre le lézard. Ça va éclater. Peter. Pete. Il est où? Ils ont pas l'air. Cyrmix. Mais non, ça va aller. Écoutez pour repérer les ennemis. Ah ouais. Bien reçu. Reste bien caché pour l'instant. Oh là là, on a la pression là. On va se le faire. Deuxième phase de jeu avec Mary Jane. Qui franchement sont très cool. Il me reste que les escaliers. T'es où, Peter? Salut! Bonsoir, enfant. Ashley, répondez. Quel est l'état des lieux? J'en ai un par là. Là, c'était un peu risqué parce qu'il aurait pu me voir de l'autre côté. Il arrive. Droite, gauche. Je peux l'avoir là, je pense. Il voit son pote, très bien. Maintenant. Elle est agressive. Surveille devant et derrière. J'ai peut-être une chance par le sous-sol. Le sous-sol, alors où est-ce que ça se trouve, hein? Bah, attention parce que j'ai un mec droit devant là. Ah, d'accord, c'est par là. Ne grince pas, s'il te plaît. Oh, merci. Mais où est passé Peter? On se demande. L'atelier de Pete. Même pas, il protège sa dame. Des lance-toiles. Ah, parfait. Ah. Oh non. Prends ça à toi. Sprinter. Envoyez la deuxième équipe. On passe la maison en paille. Bien que ton mec a changé. Peter. Oui, c'est bien lui. Ça peut surprendre. Je dois contourner ces chasseurs. Alors, MJ peut utiliser son lance-toile pour entoiler des chasseurs à l'environnement. Le réticule passe au rouge lorsque la cible est à portée. D'accord. Je vise, je tire. Ok. Alors, logiquement, derrière le buisson, on est bien. Faut que je traverse la rue. Génial. Alors on va se faire celui-là. On va l'entoiler à son véhicule. Ah, c'est vraiment très cool. Au final, c'est un peu comme avec Spidey, quoi. Ok. Ensuite. Dis-moi par contre, au niveau des toiles, c'est illimité? J'espère. Une de nos unités est à terre. Oh non.
Faut avancer en douceur. Hein. Évidemment, il va vers le véhicule. Je choisis le bon angle. Incroyable. Ah, mais si, je vois le lance-toile là-haut. En haut à droite de l'écran, tu vois. Enfin, je pense que vous l'aviez déjà vu. C'est juste que moi, je joue, donc forcément, je vois moins les choses. N'oublions pas qu'elle peut esquiver. On avance. Ok, attention à lui qui arrive à droite. Là, en plus, il a une lampe torche, hein, comme tous les autres. Lui, je peux l'éliminer normalement. Hein. Oui, c'était vers les voitures, donc c'était logique, mais... Attendez. Faut qu'il se retourne, faut qu'il parte ailleurs, de préférence. À la limite, je peux l'entoiler, non? Comme ça, il voit rien. Et moi, j'avance. Attendez, je vais voir. Ah bah non. Mal joué. Très mal joué. Il va venir? Oh non. Vite. Je crois que je me fais tirer dessus, les amis. Mais je suis pas encore dead. Oh non! Dommage. J'aurais essayé. Le mec, il s'est cru sur Call of, quoi. Bon, on refait la séquence? C'est pas grave. Maintenant, on maîtrise. Honnêtement, c'est tellement cool, là. C'est tellement cool qu'on va le faire rapidos. Là, je reviens ici, parce qu'il va voir son collègue. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire diversion aussi, comme ça. Je suis bête. Admettons. Ça n'a rien fait. Génial. J'avance, hein. Est-ce que lui va voir son collègue? Je pense que je peux l'entoiler. Voilà, nickel. Lui, là-bas, c'est plus compliqué. Plus, il me semble qu'il se retourne par là. Ah non. Là, pour le coup, il part de l'autre côté. Intéressant. Ne bouge surtout pas. Ok, j'espère que le deuxième essai sera le bon. On n'est pas obligé de tous les tuer, hein, bien sûr. On fait attention. Ok, j'ai un duo. Peter a pris la rue parallèle. On va les séparer. Je peux peut-être le rattraper en coupant. Qui a notre... Diversion. Hop là. C'est mort. À ton tour. Alors honnêtement, ces phases de gameplay sont simples, mais ça fonctionne. Je veux divorcer! Ouais, ils sont pas mariés. Hein. Pete est là-bas dans cette nouvelle construction. S'il revient par ici. Ok, le mec, donc faut que je passe de l'autre côté? Oh non, y'a un chien! Vous savez que par certains côtés, ça fait un peu penser, je trouve, à Horizon. Ouais, je pense que passer par ici, c'est une bonne option. Se faufiler, yes. Attention, dis-moi qu'il me voit pas. C'est bon. Je gère. Alors, il y a un mec derrière, est-ce qu'on se le fait? Ouais, je préfère me le faire parce qu'on sait jamais s'il se retourne. Et c'est un peu dangereux, remarque, d'y aller là. Parfois, tu vois, quand tu fais de la surenchère, quand tu veux trop en faire dans les jeux, tu te fais punir. Mais là, c'est bon, il s'est pas retourné. Il y avait un truc à pousser, non? Il y avait un objet à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est? Ah, pour attirer, non? Je sais pas. Ouais. Ça va attirer le chien? Ah ouais, trop bien les chats! Excellent! C'est bien ça! Non mais qu'est-ce que tu fais? Je voulais viser. T'as plus de lance-toile? Ah non, c'est R1, je me trompe de touche. Oh! C'est bon. J'ai un peu spammé, c'est vrai. Je fais le tour.
C'est vrai que sur Rached, on adore quand il y a de la filtration. Eux, par contre, sont un peu chiants, en vérité. Tiens, je vais les attirer ailleurs. Retournez-vous, les gars. Ah, zut, il vient par là. C'est pas ce que j'ai demandé. J'ai entendu un truc. Putain, mais t'as rien compris, toi. Je vais vérifier. Ok, bah je vais devoir le buter. Hein. Tant pis. Pas le choix. Je vais l'amener là-bas. Je m'en charge. Allez, viens. Viens, je regarde en face. Ouais, il regarde pas par ici, j'ai l'impression. Mais tu vas te dépêcher, oui. Bon, tu sais quoi? La flemme d'attendre. Ça marche comme ça. A ton avis, est-ce que je peux traverser sans risque? Je crois que Pete est parti par là. Ça me paraît pas mal. Jeu d'infiltration pour les nuls. Tu passes la porte ou pas? Lui va se retourner là-bas, c'est chiant. Allez. Retourne-toi, mon pote. J'ai entendu du bruit. Je vais voir. Oh non, il a entendu. Vite, tu sais quoi, je me tire. Pourvu que Pete soit toujours derrière. Attaque à l'intérieur! Tous les autres, restez en position! Je vais entrer dans cette maison. Oulala! Mes chasseurs. Oh, il y a un mec là-haut en plus. Cette femme vous a traqué toute la nuit. Alors que vous poursuiviez l'araignée. Elle sera dans les... On va commencer par lui, hein. Lorsque vous trouverez notre proie, il faudra me ramener les deux. Attention, il y en a d'autres là-bas. Enfin, il y en a un seul, du moins. On fait le tour de la caisse. Pas de la caisse, des palettes. Voilà. Pas un loup. Juste Mary Jane. Il est comment? Ça va aller. Tu n'as rien vu. Ouh. Allez hop. Je me demande si on se fait voir. Est-ce qu'on peut survivre quand même? Parce qu'on est quand même vachement limité au niveau des armes. Ah là tu peux faire tomber ça, trop bien. Oh oui, j'adore. Passe de l'autre côté vite. C'est rien. On a détourné un peu l'attention. Je tente le coup. Oh, c'est risqué. C'est risqué, mais ça passe. C'est vrai qu'on peut courir vers eux. Ouais, on peut les charger. Si jamais ils sont pas trop nombreux, ça peut le faire. Et ça reste quand même mieux de le faire comme je fais, je pense. Miles? Là-haut? Faut que tu le rattrapes! Désolé, je suis en retard. C'est quoi ce délire avec Pete? Il est pas lui-même. Ça doit avoir un rapport avec son costume. Ça s'appelle un symbiote et... C'est un genre d'alien. Hein? Il porte un alien? Il a besoin d'aide, Miles. Je t'en prie. Je m'en occupe, MJ. Une nuit pluvieuse et dramatique. Allez, Miles, tu t'en occupes. C'est normal, c'est moi. Énorme. Allez, c'est parti. Ouh là là. Viens de me lancer une plaque d'égout. Certain que c'est toi qui le visais? Quasi sûr. Il s'est arrêté devant le tunnel de Queensborough. Il y a des chasseurs partout. D'accord, je suis en route. Assure-toi que les chasseurs ne le délogent pas encore. Entendu. Petite palette dans la tronche. Ah bah non, ça a pas voulu. Attendez. Je m'en vais, moi, quand je vois les explosifs. Ça vaut mieux.
Ah, il me semble qu'on avait un petit point de compétence que j'ai encore oublié de mettre. Spider-Man, oh la vache, on voit plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi! Je croyais qu'il était juste un peu bizarre. Mais là, ça devient n'importe quoi! Je le reconnais plus! En effet, il n'est pas que bizarre. Hein. Eh, mes capacités, elles mettent super longtemps à se recharger. Hein. Après, c'est vrai que les compétences de Miles, on les a pas tant augmentées que ça dans le jeu depuis le début. Je dirais beaucoup Peter, surtout la tenue symbiote. Du coup, j'ai tout mis là-dedans, mais... Spider-Man, tu te souviens ? Allez, essaie de te reprendre ! Comment tu veux que je boucle mon essai sans mon tuteur préféré ? Il sort par ici, Spider-Man ! Je suis presque, Miles. Comment va Peter ? Il est furax. Et il écoute rien ce que je lui dis. Alors, on va peut-être devoir s'y prendre autrement. J'ai ouvert à toutes tes suggestions. En effet, je m'énerve. Attendez, normalement, j'ai ma surcharge. Voilà. Et non, mais oui, parce que c'est pas qu'avec la tenue symbiote, hein. Bien sûr. Un peu de respect pour MJ, s'il vous plaît. Attends! Je veux juste discuter! Ouais. J'ai comme l'impression que lui est dans d'autres dispositions. Je veux pas te faire de mal! Mais où est-ce que tu vas? Ouais, il fait peur, hein. Il est surexcité. Arrête! Tu vas inonder le tunnel! Comment ça va de ton côté? J'ai trouvé Peter, mais... il est endormi. C'est une bonne nouvelle? Je vais essayer de le réveiller. Tu pourrais retenir les chasseurs encore un peu. Je vais essayer! Oh la vache! Non, pas maintenant! Aïe! Non! Oh, c'est dégueulasse! Je l'avais fini! Mais non, bah écoutez, je vous aurais écouté la séquence parce que là vraiment c'était très très dur. Ah, concrètement, celui qui trouve pas que le jeu est plus dur que le premier, ou que Miles Morales, le niveau est largement supérieur. Hein. Donc je le répète, je vous conseille vraiment d'avoir fait les deux jeux d'avant, avant de faire celui-là.
histoire de vous échauffer un petit peu, disons. Le point. Je te soulève. Tac, bien joué. La spéciale. Finish. Ça, je t'ai vu. Ça, c'est surtout pour se téléporter, mais j'ai l'impression que ça fait disparaître les ennemis aussi. Vous savez, on fait des oiseaux. Quand même. La police va débarquer. Alors, c'est juste pour vous prévenir que vous aurez du public quand je vous mettrai une raclée. Mon petit drone. C'est bon, un oiseau en moins. Ça, c'est très très bon. Ah, je t'en l'air. Trop trop mal. D'accord, j'ai fait une parade sur lui. C'était même pas voulu. Mais tant mieux. Ah oui, c'est vrai que j'ai la spéciale. Ouais. Et quand il y a autant d'ennemis, autant te dire que ça sauve la vie. D'accord, un point dans le vide, c'est pas grave. Waouh! Il a tiré un roquette sur son pote, tout va bien. Boum. Ok, suivant. Ce qu'il en arrive de tous les côtés régulièrement. MJ, vite s'est réveillé. Miles, je t'entends pas, est-ce que tu me sens? Vite, on va se réveiller, il me faut plus de temps. MJ! Ah, ok, il faut que je rentre là-dedans. Dès que j'en aurai fini avec eux. Attaque par impulsion du chien neutralise vos capacités. Ah, les chiens sont de retour. Vous êtes les pires, les gars. Des fois, il y a tellement d'actions, il se passe tellement de trucs qu'on voit plus où on est. Je reste sur le chien. Mais c'est pas lui qui me vole mes capacités là. Faut que je trouve ce chien. Ah, c'est bon. Ah, c'est peut-être lui alors. Ouah, le gros. C'est lui qui m'a tué juste avant. Me soigne. Waouh, magnifique. Trois coups à la suite. Oh mais il est tellement chaud. La parade. Là faut la faire absolument celle-là. Enchaîne-le. Oh là là. Les parades sont plus simples à faire avec lui que les esquives en vrai. Par-dessus bord. Enchaîne-le dans les airs, il me semble qu'il est pas bien dans les airs, il est pas à l'aise. Profitons-en. Point électrique. Tu disparais. Spider-Man ! Oh non. La grue ne répond plus ! Oh le salaud. Je voulais pas te faire de mal!
On a fouillé tout le tunnel. Il a disparu. Pour l'instant. Mais il ne va pas tarder à revenir. Il est de plus en plus moche, hein. Comment je me suis retrouvé à dormir sur un banc, moi? Et pourquoi j'ai l'impression d'avoir dormi comme un loir? Bon, à part c'est un bizarre. Harry m'a laissé un autre message. Pete, je dois vraiment récupérer ce costume. Mon père travaille sur un nouveau remède, mais... je sais pas. Ramène-le-moi. J'ai comme l'impression que Peter n'a plus tellement envie de lui rendre. Alerte web du Bugle ! Nouvel article d'MJ ? Non ! Elle l'a publié avant de me le faire lire ! Ok, alors on est dans la zone. Faut que je monte tout là-haut. En tout cas, encore une séquence ouais, qui était très très forte. Pauvre MJ. Qu'est-ce que tu fais? Hé, mon pote, tu te sens bien? J'ai besoin de ce costume. Pete. Est-ce que t'as des souvenirs de la nuit dernière? Je me souviens juste que j'étais crevé. Pete. Tu n'es pas toi-même. Ce costume te transforme. C'est uniquement grâce à lui que je suis encore en vie. Ouais, il est plutôt cool, hein? Prends quelques cachets et crache ce que t'as sur le cœur. Hé ! Arrête ! Je me mets en cadre pour essayer de te sauver. Tu pourrais me remercier ! Je t'ai dit d'arrêter. J'ai vu ton histoire. J'ai essayé de t'en parler. T'as changé d'avis, c'est ça ? Je peux pas perdre ce boulot, Pete. Ton boulot, c'est d'écrire la vérité. T'as raison. La vérité, c'est que c'est moi le héros, pas toi. Thank you.
comment ça s'est passé avec Harry? Vous en faites pas. Harry va se remettre. Merci. Merci d'être là pour lui. Je vous ai vus grandir ensemble. Tu es comme un fils pour moi. Je suis si fier de l'homme que tu es devenu. Merci, Monsieur Osborne. Et il faut que j'y aille. Ça va? Laisse. Va-t'en. Il y a du boulot. Et comme d'habitude, je peux compter que sur moi-même. Peter, où est Miles? Il n'est pas rentré hier soir et il répond pas à mes appels. Allô? Je suis à mon bureau. Dites-lui de passer me voir, tout de suite. Pourquoi personne peut se débrouiller tout seul? Je dois toujours tout faire. Comme il est méchant. Alors écoute, apparemment c'est quand même un peu plus loin. On va en profiter pour voir un peu les points de compétences. Alors, les tenues. Regardez ce qu'on a de nouveau, hein, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on les regarde assez peu. On m'a demandé de montrer un petit peu les menus, donc il y en a quand même pas mal. Et franchement, il y en a beaucoup qui sont pas terribles, je trouve. Hein. Alors celle-là, je l'avais achetée, c'est la tenue, il me semble, de... Vous me dites si je me trompe, hein. Mais il me semble que c'est la tenue de The Amazing Spider-Man. La tenue incroyable 2, tenue Spider-Man 2099. Après, il y a différents styles, hein. Mais ça coûte à chaque fois des jetons et des pièces high-tech, donc forcément, je les garde. Celle-là, elle est pas dégueu. Celle-là, ça va, en vrai. Ensuite, la tenue Antioch. Pas mal. Chevalier Arachnide. Pas mal aussi, remarque. New Generation. Original. Un peu rétro. Et Miles ne peut pas changer de tenue pendant cette mission. Et oui, effectivement. Alors, composant de tenue, est-ce qu'on peut? Non. Les gadgets, non plus. Attends, est-ce que je pouvais pas prendre tout de même l'impact assommant? Ah bah si, je peux les faire ceux-là. Tire une toile qui ricoche sur les ennemis, pouvant entoiler plusieurs ennemis, ça peut être bien ça. Ah non, il me faut des jetons. Celle-là par contre, je peux le faire. Décharge repoussant tous les ennemis à proximité. Allez, je fabrique. Donc c'est avec R1 plus rond, donc ça me fera un nouveau gadget. C'est plutôt intéressant. Hein. Je peux pas l'améliorer pour l'instant, on verra plus tard. Au niveau des compétences, est-ce qu'on améliore Miles? Non, on va plutôt booster un petit peu pour les deux. Ça me paraît intéressant. Ça, je l'avais vu, je voulais le prendre. Recharge d'esquive parfaite. Allez. Ah mais j'ai 4 points. Ah bah attendez, on va se faire plaisir. Recharge KO. Mettre des ennemis KO ou réaliser des coups de grâce et des éliminations silencieuses recharge partiellement les capacités. Tiens, je vais prendre ça aussi. Ravitaillement de gadget. Réaliser un coup de grâce, vous restituez un tiers de gadget. Ouais, bof. Je vais prendre un petit peu ces mouvements-là. Ou alors on passe un peu sur Miles. Ouais. Propulsion bioélectrique, doublement. Oui, voilà, on peut le faire une seconde fois. Donc ça, je voulais le prendre aussi. Et pareil pour le marteau. Voilà. Elle impulseront, donc faut réappuyer dessus. Pourquoi ça débloque pas ça? Achat impossible pour l'instant. Oh, peut-être qu'il faut avoir les points de compétences en stock.
Ok. Alors bien voir, est-ce qu'on peut éventuellement se téléporter en ce quartier? Non, il me semble pas. Hein. Non, j'ai pas encore assez avancé. On arrive sur les lieux. Non, je suis sûre qu'il va bien. Mais tu m'appelleras si tu le vois. C'est gentil, Théo. Miles? Je vous ai appelé. Ça fait des heures. Et rien. Vous savez que Miles est à la poursuite de lui. Je vais le trouver. J'appelle les hôpitaux. J'ai dit que je le trouverais! Je contrôle la situation. Tout ce qui intéresse Miles, c'est d'être un meilleur Spider-Man. Il ne parle ni de ses cours, ni de ses camarades. Il ne parle que de vous. Vous devez l'aider. Comment j'ai atterri là? Allez, Miles, il est temps de sortir. Oula, des lasers. La sécurité rigole pas ici. Eh oui, je vois ça. Alors faut les contourner. Ça a pas marché. Mais peut-être qu'avec les autres. Je vois qu'il y en a plusieurs. J'ai plus qu'à bloquer les autres. Voilà. Ah oui, d'accord. Ça me fait un petit passage. Oula. Un petit feu de camp. Oh ouais. Ils étaient tous prisonniers. D'accord, faut que je fasse quoi au juste? Lee. Martin Lee. Il était ici. Ouais. Là on a qui? Scorpion. Je peux franchir ça. Ah d'accord. Merci le jeu. C'est qui ce type qui m'a assommé? Et puis TMJ, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il y a des chasseurs. Attendez. Est-ce que je peux monter? Voilà, ils sont devant nous. Ouais, tu sais quoi? On y va. C'est ta raison. Les plus petits sont plus rapides. Joli. Ok. Du matériel d'Oscorp. À quoi ça vous sert? Je pensais qu'il y aurait un truc à inspecter. Ah mais zut, d'accord. Faut le faire quand on est dessus. Oh. Qu'est-ce que... Pourquoi Kraven m'emprisonnerait là-dedans? Comme qui? J'ai besoin de toi, mon vieux. C'est quoi ce truc? Du poison! Je dois dégager de là! C'est un piège! Ces générateurs doivent alimenter les ventilos! Allez, on l'alimente! C'est mieux, mais pas suffisant! Ce truc-là! On peut faire quoi avec ça? Il faut que j'active les autres! Ah d'accord, ok, j'ai pas compris. Faut que j'aille sur le mur. Et je fais comme ça. Et voilà. Un plus. Suivant. Suivant. Eh oui, il y en a trois, forcément. Attends. Un là, et l'autre. Ici. De ce côté. Dépêche-toi. C'est bon. Je crois bien que c'est la seule issue. Vous savez où se trouve la sortie? Pourquoi? Tu pourras jamais partir d'ici. C'est ce que je commence à penser. Pourquoi? Ah, Jolie. Je suis en forme aujourd'hui. Je suis en forme, je me suis fait un petit peu exploser tout à l'heure aussi. Alors, on va tester, attendez, le... On va tester le truc d'appuyer deux fois sur la touche.
Ah, je pense que c'était pas celle-là alors. En fait, j'ai un autre gadget. Ah oui, ah, c'est bien. Ne pas sous-estimer les gadgets. C'est vrai que mine de rien, on est loin d'avoir... d'avoir tout pour l'instant. Ah ouais, c'est trop pratique. J'ai ma super attaque. Maintenant. Oh là 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 là. Quel régal. Y'a un costaud. On dirait que votre boss a mis le paquet sur ce coup-là, pas vrai? Comme à chaque fois. Maintenant, montre-nous de quoi tu es capable. Ok. Il est pas tout seul là. Attention. Faut pas qu'il me touche. Oh, le filet bien esquivé. Boum. Ouais, j'ai pas compris comment doubler les trucs encore. Ok. Je les ai tous eus. Il doit bien y avoir une sortie. J'ai l'impression qu'ils m'attendaient tous. Cet endroit est gigantesque. Et si les chasseurs savaient qui je suis vraiment? Et s'ils m'avaient retiré mon masque? Et si... Gonki, est-ce que tu me reçois? S'il te plaît. Et si... Ils s'en étaient pris à lui? Et s'ils avaient eu ma main? Avec des scies, on en coupe du bois. Alors... Ah, un petit peu d'infiltration. Et j'ai oublié effectivement dans les épisodes d'hier, j'ai carrément oublié les amis, qu'avec Miles on pouvait être transparent. C'est comme ça? Ouais. C'est comme si rien ni personne ne pouvait le tuer. J'en ai pas vraiment besoin. Ouais, on verra bien. Danger. C'est bon. Voilà. Facile. Je remonte. Je me fais rapidement. Qu'est-ce que c'est bien ces séquences? J'ai récupéré mon camouflage? Presque. Là c'est bon. Sur combien ils sont deux? Ouais. Bon, elle, je me la fais direct. Comment ça, danger? Y'a quelqu'un d'autre? Attendez. Voilà, elle va y aller comme ça. Je peux m'occuper de... de celui-là. Normalement, ils sont encore deux, hein, parce que si j'avais un danger... Ah non. C'est bizarre, alors. Peut-être qu'elle avait des yeux dans le dos. Toutes les nuits, je rêve de mon dernier moment. Mon corps reposant sous le ciel de mes ancêtres, dans un champ fertilisé par leur débâcle. Tandis que les flammes consument ma dépouille, leurs larmes tombent des étoiles. Car j'ai réussi où ils ont échoué. Il n'y a qu'un égal qui pourrait goûter mon dernier souffle. Et me renvoyer enfin dans les profondeurs paisibles de l'enfer. C'est vraiment un mec bizarre. Je pourrais défoncer la porte. Ah oui, tu peux défoncer la porte, c'est bien. Coucou, c'est moi. J'ai l'impression que je joue mieux là depuis tout à l'heure, depuis que j'ai pris les compétences. C'est fou. Je suis tellement bon. Je suis tellement bon, le mec il se la pète pas du tout. Ouais, il y a sûrement un moment où appuyer sur la touche, idéalement, je pense,
maintenant. Reste entoilé, mon pote. Aïe. Et le troisième coup, on le connaît. C'est sympa ici, j'aime bien la déco. Bon, sauf le tigre, là. Pas trop ça ma cam. Ça ressemble à une sortie. Je dois découvrir pourquoi Kraven m'a amené ici. Il faut que je me sorte de là et que j'appelle Spider-Man. S'il est d'accord. C'est fermé? J'en ai bien l'impression. La lumière naturelle n'a jamais été aussi belle. Ah, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est... Ok. Ça ne marchera pas. J'ai essayé. Je t'attendais plus tôt. Et l'énergie de la jeunesse, alors, hein? Battez-vous. À mort. Ou mourrez ici ensemble. Alors combien de personnes est-ce que t'as tué avant que j'arrive? J'avais pas vraiment le choix. On a toujours le choix. Miles Morales versus Mister Négative. On y est. Ok, c'était par-dessus, j'ai compris. Et assez de perdre mon temps à combattre des minables. Prouve que tu es digne de ma vie. Je comprends que t'aies envie de me tuer, mais je ne peux pas te laisser faire. Et pourquoi est-ce que je vous laisserai vivre? Je ne mourrai pas comme l'homme que j'ai été. Tu es beaucoup plus fort que tu en as l'air, petit. Vous avez des comptes à rendre après ce que vous avez fait. Les démons intérieurs, le souffle du diable, l'attentat de l'hôtel de ville. Ne me remémore pas de déchets. Je sais ce que j'ai fait. Vous imaginez même pas. Jamais. L'adversaire. Kraven vous a pris au piège. Vous vous êtes là de votre plein gré. Épargne-moi ta condescendance. On est dans la même arène. Décidément, même la prison ne vous a pas changé. Mais bon. On peut parer. Et non. Ah non, par contre, faut pas attaquer quand il y va. Montre-moi plus. Bon, la parade, c'est vraiment magique. Hein. On peut la faire quand on veut. Il est rapide. Oh la vache. Faut que je trouve une ouverture. Bien joué. C'est chaud là. Presque plus de vie. Tu peux pas me vaincre. Spider-Man ne tue pas. Attends un peu de me connaître. Bouge ! Ce n'était que la première partie. Juste une petite ouverture. Je me sens bizarre. Il a perturbé ma bioélectricité. Je peux pas y aller, hein. Ouais, d'accord. Je me soigne.
Non, pas dans les tornades. Bon, la toile, ça fait rien non plus. Faut que je sois plus rapide. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Bioélectricité, pareil. Voilà. Ah bah, je suis mort. Dis-moi qu'on reprend à la deuxième partie. Attention. Deuxième chance. La bioélectricité marche pas. Là. Oh, ça va. Il faut attendre d'avoir les capacités. Voilà, je l'ai. Maintenant. Tout téléporte vers lui. Ok. C'est ce qu'on avait déjà vu. Vous avez toujours aucun remords. La dernière fois qu'on l'avait vu. Quoi que j'ai pu faire dans ta clé ? Ça n'avait rien de personnel. Eh ben pour moi, ça l'était. Qu'est-ce que tu veux ? Des excuses ? Je vais vous voir souffrir comme vous m'avez fait souffrir. Tu es beaucoup plus fort que tu en as l'air. Mais ne sous-estime jamais ton adversaire. Aïe aïe aïe. Où est ta rage? À chaque fois, hein. Oui, enfin, non, je suis pas dans la zone. Comment tu gâches? Bien joué. Il a contré. Étape par étape, hein. Pas chercher à trop en faire. Et là on passe en P3. L'énergie négative va me retourner la tête. Ah non, fallait sauter ce coup-ci. Il risque de te débrouiller. Il est rapide. Faut que je trouve une ouverture. Bouge. Bah maintenant t'as les tornades qui changent de direction parfois. J'attends que mes pouvoirs se reviennent. Waouh! Maintenant! Si je tentais ma bioélectricité, je ne veux pas avoir à te tuer! Waouh! Vous avez peut-être changé finalement! Allez! Fallait sauter, bordel! Oh, fallait re-sauter, non! C'est bon, je me suis soigné! Oh, c'est tellement chaud! Oh, fallait sauter, mais j'arrive pas à anticiper! Il envoie des petites bidules là! Possible. Voilà. On va y arriver les gars. Un jour. Mais là il est tellement rapide. Ça c'est du combat hein. Allez. Reste là mon pote. Faut lui faire un max de dégâts. Pas le lâcher là. Tant qu'on peut. Je me soigne. Allez sauter. J'arrive pas à décrypter. Là ok sauter. Mon dieu! Téléportation! Enchaîne-le! Oh putain! Je saute le coup d'av... Non! Bien! Je vais me soigner, c'est bon, j'ai rempli ma jauge! J'en peux rien, je suis contre la mer! Et sauter! Bien. Je t'en prie. Faites patient. Non, attends, il y a une P4? T'es pas sérieux? Non, non, il a pas pris de la vie. Derrière l'autre araignée, il y a un homme, moi. Waouh. Ça suffit, vous savez rien de moi. Allez, sautez. Maintenant. On va
façon. Où tu te caches ? C'est pas vrai. Ça, c'est toi. Ah ouais. Attrapez le démon. Faut pas que je me déconcentre. Je suis pas vraiment ici. Rien de tout ça n'est réel. Quoi de plus réel que la peur? Vous essayez de me faire quoi? Je fouille ton âme du regard. Je vois un garçon. Terrifié d'être seul. Et à l'idée de trahir sa famille. Vous gaspillez votre salive! Vous m'échapperez pas! Je veux dire, j'ai essayé de t'apprendre, de faire de toi un héros. Je savais très bien que tu serais les dernières secondes, mais... Tu sais rien faire à part décevoir les gens, les mettre en danger. C'est indigne de Spider-Man. Spider-Man aide les gens. Toi, tu leur fais du mal. Non, c'est pas vrai. Hey, j'y suis pour rien, moi. En vrai, c'est même pas moi que tu déçois le plus. C'est ton père ? Non ! Alors, tu t'appelles Miles. Qui es-tu vraiment ? Miles. Ramenez-vous, Lee ! Creusons encore. Lee, venez vous battre ! Une bonne fois pour toutes, venez vous battre ! T'es taré ou quoi, Miles ? Je ne suis pas naïf, Lee ! Ouais, bah moi non plus. Je suis toujours là pour toi. Je me couvre en quatre pour toi. J'écoute toujours pas. Ouais, ça m'étonne pas que tu dises ça. Parce qu'il n'y a rien qui compte à part toi, hein. Tu penses qu'à toi. Tu me mets en danger. Tu mets Ailey en danger. Et tout ça pourquoi? On a quoi en échange, nous? Je sais, je... Des accessoires. C'est tout ce qu'on est. Et on terminera comme Finn. Kanki ! Kanki ! Je sais que j'ai dit que c'était pas ta faute, mais... En fait, j'avais de la peine pour toi, c'est tout. Je voulais pas que tu te sentes responsable. Surtout après la mort de... Non ! Surtout après la mort de ton... La ferme ! Ça prendra fin dès que tu me souviendras, Miles. Tu finiras par me laisser entrer. Mais en attendant, débat-toi. Mijo. Mijo, où es-tu? Non! Je suis là, maman. Ça ne peut plus durer, Miles. Tu es toujours absent. Toujours en danger. Je sais. Tu vas finir par te faire tuer. Non, je te jure. À quoi bon? Tu ne peux pas gagner, Miles. J'aurais jamais dû te laisser essayer. Le seul résultat, c'est que je me retrouve encore plus seul. Je cours encore plus de dangers. Non! Je vais te protéger! Compte sur moi!
J'ai déjà entendu ça. Je te promets. Je parle pas de toi. Le jour où il est mort... Maman. Mon père m'a dit... le matin même... que tout ce qu'il faisait... Non. Non, non, non. Miles. Je t'en prie. Je t'aime. Ça suffit, Ellie. Miles. J'ai dit ça suffit. Tu as raison. C'est plus que suffisant. J'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Ça suffit. Arrête. Alors, comment ça va, fiston? Ça me fait du bien de te revoir. Ça a changé depuis mon départ. Tu es devenu un vrai héros. Mais j'ai pas pu te sauver. Ni Finn. Si Spider-Man ne peut pas protéger tout le monde, alors qu'il pourra? Arrête. Tu es beaucoup plus que Spider-Man. Tu peux essayer de te cacher derrière ce masque, mais je sais qui tu es. Et ce que tu défends. Je garde un œil sur toi. C'est vrai? Et ça me désole. Où est passé l'enfant que j'ai élevé? Tu es un lâche. La honte de notre famille. Non, tu le penses pas! Je le pense. On le pense tous. Tu es un raté, Miles. Tu le seras toujours. Non! Vous diriez jamais ça! Aucun de vous! Je suis pas! Il est temps de laisser tomber. Abandonne, Miles. Non! Abandonne! Non, jamais. Abandonne! Abandonne. Abandonne. Non! Terminé, vie. J'ai plus envie de jouer à vos dieux. Vous voulez savoir qui je suis? Je suis le gosse dont vous avez tué le père à l'hôtel de ville. Quoi? Il est mort parce que vous aviez décidé que vos problèmes étaient plus importants que la vie de tous ces gens. Jefferson Davis était un héros qui protégeait la ville de gens comme vous. De mon père. C'était pas ça le problème. C'était moi le responsable. Mais c'est terminé. S'échapper! Plus le mec est fort en face, plus il kiffe. Une autre solution. Négative aurait été aperçu à proximité du fist à Chinatown. Et aucun signe de Miles. Je crois que... Miles va bien. On est en train de le chercher. Trouvez Lee. Miles doit être là-bas aussi. Forcément. Je vais aller voir. S'il a touché ne serait-ce qu'un cheveu de Miles... Allô? C'est le docteur Connors. Désolé, j'ai demandé votre numéro à Harry. Je voulais
S'il vous plaît. Revenez au labo. On doit vous retirer le symbiote. Il a déjà une forte emprise sur votre esprit, et ça ne peut qu'empirer. Je suis occupé. Il a pas personne tellement envie de perdre le costume. J'ai l'impression de me répéter un petit peu à chaque fin d'épisode, mais c'est incroyable. C'était totalement fou. Ah que oui. Spider-Bot, je récupère. Tu es à moi. Les amis, merci encore à tous d'avoir suivi l'épisode. Je vous retrouve très très vite pour la suite. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Et on passe au niveau supérieur. Grâce à un Spider-Bot, c'est bien. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas louper la suite. Très bientôt, regardez ce qui nous attend. C'est juste en face. Comme dirait l'autre, regarde-moi bien en face, que veux-tu que j'y fasse? Et donc, logiquement, très bientôt, on devrait voir également Venom. On l'attend tous, et il se fait désirer. Merci encore à tous, portez-vous bien, et à très très vite. Ciao ciao!